Alors, elle est étrange aussi, celle-là. Elle est quand même assez différente. Elle respire peut-être plus largement. On a là des séquences assez larges, avec une impression de distance, d'espace. Et donc, elle n'a peut-être pas autant le côté expressionniste et les contrastes extrêmement violents de la première. Et c'est aussi une musique qui est pleine d'expressions, d'images et on peut dire de symboles. Il y a une part de symbolisme dans cette esthétique du violiste. Dès le début, en vérité, à la fois le ton est donné et le sujet il nous est donné avec quelques mesures. Intense, sombre, et ces mesures et ce motif mélodique sont une citation un peu transformée, bien sûr, mais malgré tout très reconnaissable et très, très délibérée de la part de Liszt, il n'y a pas à en douter un seul instant. Cette citation, c'est tout simplement le motif initial qu'on va retrouver tout au long de l'opéra de Wagner, Tristan et Isolde. Et le début du prélude de Tristan et Isolde comporte ce motif, ce thème du désir. Puisque vous savez, dans les opéras de Wagner, il y a une série de thèmes qui évoquent un état d'âme, des personnages quelquefois. Et donc là, ce motif du désir va évidemment parcourir tout l'opéra de Wagner. Voilà ce qui se passe chez Wagner. Etc. Et donc on a là un intervalle important, une sixte expressif, la mort si on veut, et puis auquel répond un chromatisme à la partie supérieure. Avec ce rythme, une longue, bref, et l'aboutissement. Et ce qui se passe chez Liszt avec des harmonies chromatiques qui sont à l'intérieur a à voir avec ça. Ce n'est bien sûr pas une citation textuelle, mais on a un grand intervalle descendant cette fois-ci. Si on veut même pousser un petit peu plus loin ce petit jeu des citations ou des influences réciproques, il faudrait retourner encore longtemps en arrière. L'opéra de Wagner est à peu près de 1860. Enfin, forcément, il a mis quand même un peu de temps à composer une œuvre aussi considérable. Les pièces de Liszt que je vous joue là sont de 1877. Mais dès 1840, Liszt avait écrit une mélodie sur un fameux poème de Heinrich Heine, poème Die Lorelei. Ceux d'entre vous qui ont fait de l'allemand au lycée ont peut-être appris, en tout cas tous les Allemands connaissent, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Et voilà comment cette mélodie pour voix et piano commence. Donc au piano, au départ, une introduction. Etc.
Et donc, on a encore cette idée d'un élan, et là, c'est le même intervalle que chez Wagner, qui est suivi par ce chromatisme ascendant, avec le silence, et puis l'étape suivante. Alors, bien sûr, quand Wagner utilise ça, il en fait du Wagner, il le transforme, je ne fais pas tous ces jeux-là pour amoindrir l'un ou l'autre. Simplement, il y a ces jeux expressifs et ces jeux d'influence qui passent de l'un à l'autre. Et la question des rapports de Luce et Wagner est une très vaste question. On ne va pas rentrer dans les détails qui sont très bons et qui m'échappent dans une large mesure. Mais enfin, ils ont été très liés et ils ont été liés familialement aussi, vous le savez, puisque Wagner, qui n'avait que 2 ans de moins que Liszt, a épousé une des filles de Liszt, Cosima. Mais enfin, ils ne sont pas exactement contemporains malgré tout, parce que Liszt était plus précoce. Wagner a mis du temps avant de s'affirmer, et puis c'est des œuvres tellement différentes. Wagner a composé des opéras, point barre, le reste c'est pratiquement rien. Et Liszt a composé de tout, sauf des opéras. Mais enfin, dans ces pièces de piano, il y a une part d'opéra. Il se joue un drame là-dedans, et donc un drame sans doute de la passion. Et la passion, Liszt l'a bien connue. C'est clair que ce jeune homme magnifique, brillant, qui avait un charisme sur les foules et qui parcourait l'Europe en jeune héros romantique, eh bien, il a eu beaucoup de succès. Il aimait beaucoup ces succès-là. Et donc la passion flamboyante et romantique, il l'a bien connue. Et quand il écrit ça... pense à l'amour fatal et à la mort qui lui est, qui a chez Tristan. Et puis ce même motif de Tristan, il s'enfonce dans le grave. On peut dire dans le néant presque. Et il y a la mort qui rôde. Repris avec une orchestration plus fournie encore, avec des trombones qui vont chromatiser au milieu. À la main gauche, là. En fait, dans cette pièce, à l'inverse de la première qui tournait tout autour d'un même motif, on va vraiment avoir des séquences tranchées de caractères différents. C'est aussi opératique, des tableaux différents si on veut. Et en général, pour passer de l'un à l'autre, on change complètement de climat, c'est ce qui va se produire là. Mais Liszt utilise de manière très subtile le principe de la note commune. Là, sur ces quelques accords égarés dans le silence, on a... cette note-là, qui est la note qu'on perçoit, la note supérieure d'accord. Et c'est de cette note qu'il va partir pour déployer la séquence suivante, une espèce d'image, une espèce de d'aube nouvelle qui s'ouvre. Maintenant, c'est ce propre motif qu'on vient d'avoir, cette aube nouvelle dont je parlais, qui va se transformer, mais c'est le même dessin et qui prend un caractère héroïque. Liszt indiquait grandioso. Grandioso, c'est évidemment cette idée des choses grandioses, et ça fait partie de l'aspiration romantique, l'aspiration au grandiose.
Et dans ce Lys, ce vieux Lys qui fait retour sur son existence, il y voit cette aspiration à l'héroïsme. Il l'a eu, d'une certaine manière, il a été un héros romantique. Et tout ça vient toujours buter sur le thème de Tristan. Très souvent, il va apparaître, même là où on ne l'attend pas. Encore une interrogation, encore une note commune, et maintenant c'est la basse, la note commune, qui nous amène en une nouvelle séquence, la vraie deuxième partie du morceau. D'un coup, les choses se sont, on peut dire, complètement transformées. Et autant on avait un thème à la fois passionné, inquiet, tout plein de chromatisme au début, et là on a quelque chose de complètement diatonique, avec des arpèges limpides et quelque chose de complètement lumineux, comme une sorte de grâce qui tomberait du ciel, une rédemption qui arrive sur ces grands arpèges limpides qui parcourent le clavier. Je ne serais pas étonné que Liszt ait songé à Schubert dans ce passage-là. Ça me fait quand même penser à ce fameux impromptu du premier recueil. C'est les mêmes harmonies, hein. Entre l'innocence, la pureté de Schubert et la passion vénéneuse de Wagner, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, il y a opposition dans les motifs, clairement, à l'intérieur de la pièce. Et puis, sur cette trame d'arpège qui traverse tout le clavier, diaphane, eh bien, va se déployer, là aussi, tombant du ciel des aigus, une large mélodie, comme Liszt sait les écrire, des mélodies qui se déploient sur une page de musique, presque. Comme un aigle qui plane. Cette phrase céleste, il y a tout d'un coup un motif bien plaintif. Et qu'est-ce que c'est que ce motif plaintif? Vous l'avez peut-être reconnu, c'est encore le thème de Tristan qui vient se glisser là. Il est à la partie supérieure, et puis au-dessous, il y a toute une polyphonie des sixtes vraiment plaintives. D'ailleurs, Liszt a écrit dolente là-dessus. Voilà encore repris, on a encore plus plaintif avec des chromatismes de main gauche. Voilà, et on va avoir une longue séquence qui va reposer sur cette atmosphère magique, surnaturelle. Hier, ces arpèges, on en a pour 3 ou 4 pages de musique. Et puis là aussi, on va avoir une petite teinture de A, B, A'. On va avoir une évocation à nouveau de ce qui s'était passé dans le début, dans les deux premières pages. Ça va se faire par cette espèce d'aube qui s'ouvrait dont je parlais. Elle est presque encore plus impressionnante quand elle revient là, parce qu'elle est au grave, en octave
à la main gauche. Et puis il y a des petits trémolos de main droite qui font une sorte de brouillard. Ça sonne presque Parsifal déjà. Et puis tout ça va venir buter encore une fois de manière violente sur le thème de Tristan, qui est en octave à la main gauche cette fois-ci. On va basculer dans une coda, et là, cette coda, elle est étonnante aussi. Elle est un peu dans le même esprit que pour la pièce précédente. Bien sûr, elle va dénouer, bien sûr, elle va se servir des arpèges lumineux, mais elle va combiner les deux. On va retrouver au milieu de ces arpèges lumineux le motif de Tristan, sauf qu'il est décanté, il n'y a plus d'harmonie autour, il y a juste la ligne toute seule, épurée, comme si ce thème était transfiguré là. Une voix toute seule, hein, l'âme toute seule en chemin. Et la dernière page, ça sera à nouveau ces motifs d'arpège, sauf qu'il y en a encore plus. Là, c'est vraiment, c'est une pluie de grâce qui sont en train de tomber. Décanter ce thème qui s'en va vers l'éternité là, et vous remarquerez qu'il était en mineur au début, bien sûr. Voilà, donc une pièce qui évidemment est toute pleine de symbolisme, qui est aussi très très originale. Quand même, une sorte d'opéra ou d'opéra intérieur, il y a une sorte d'histoire qui se déroule dans ce morceau.